Je sais pas. J'aimerais mieux aller au Canada ou rentrer à la ferme. Mais s'il faut que je reste, je reste. C'est bien. Je voudrais tout te donner. Mais toi, pourquoi ne me dis-tu rien? Quel était ton grand secret? Un secret d'homme, je le comprends bien. Moi, tu sais, je peux te raconter. Aujourd'hui, Sébastien sent que son courage l'abandonne. César est déjà installé dans la voiture que conduit Pierre Maréchal, prêt à partir. Il a déjà dit au revoir à tout le monde. Sébastien s'approche tout de même de la portière, belle près de lui. On ne peut pas aller avec toi jusqu'à la gare. S'il te plaît, César, emmène-moi avec Belle. T'as déjà oublié? Alors on a besoin de toi ici. Pas beaucoup. Oh, si. C'est l'heure, César. Je veux pas de larmes. Je pleure pas. Lorsque la voiture disparaît au tournant de la grande allée des Jonquières, il s'enfuit avec Belle vers les bois et pleure longtemps au pied d'un arbre. Il ne revient que le soir pour s'enfermer dans sa chambre et commence à écrire une lettre. Sébastien est heureux. Pourtant, il n'est qu'un petit orphelin. Mais on l'entend rire à travers la montagne. Il court en compagnie de sa grande chienne, Belle, qui ne le quitte jamais. Et son compagnon de jeu et d'aventure. Oui, on peut dire que depuis le jour de sa naissance, depuis que le vieux César l'a recueilli, et cela fait déjà 9 ans, Sébastien est un petit garçon heureux. Mais aujourd'hui, on dirait que brusquement, tout ce bonheur s'est envolé. Un monsieur est monté jusqu'à la Bastide du vieux César. C'est un notaire de Paris, Maître Biard. Il pose beaucoup de questions à propos de Sébastien et surtout de sa mère. Et voilà que César sort du fond de son portefeuille la petite médaille d'or qu'elle portait au cou au moment de sa mort. Il la montre au notaire. Sur l'envers de cette médaille, deux initiales sont gravées. P.M. Pierre Maréchal. Monsieur, je ne peux pas vous le cacher plus longtemps, c'est le nom de celui qui m'envoie. Il m'a dit avoir gravé lui-même ses initiales sur cette médaille. Il est incontestablement le père de cet enfant. Sébastien devra-t-il quitter la montagne pour aller vivre aux Jonquières, dans ce domaine où Pierre Maréchal entraîne des chevaux de course? Il n'en sait rien, et il paraît bien soucieux. Alors, quand Maître Biard est parti, César va se promener en montagne, avec Sébastien et avec Belle. Tu viendras avec moi? Je t'accompagnerai.